first in english so daniel welcome after a great run for the first three months how do you feel now for the clay season <laughs> i don't know yet i need to see after the first match i just had uh, what uh, three days of practice even not like two two and a half so uh, i need definitely more days and some matches to see uh, where i'm at at the moment on clay uh, so yeah not much uh, more to add for the moment Uh, how does it feel actually to start the Clay Court season? I mean, you've, you've done so well on, on hard. Is it is it like cool we are on clay, or is it eh, I wish we could continue on hard. No, I wish I wish we could continue on hard. But I understand that there are different surfaces uh, on tour, and that's that's I think that's good because uh, someone is better on clay, someone is better on hard, someone is better on grass. Uh, so yeah. Uh, I understand that uh, it cannot be twelve months of hard courts, uh, and I think yeah, it's good to, to have these uh, different uh, surfaces. I mean, that's I think that's good for the sport. So, yeah, but me, I prefer hard courts, so I'm not gonna lie. <laughs> Daniel Simon, canvas free Arts. Um, you, When you play on clay, do you, do you have to change your game, or can you play your natural game? I think you definitely, I definitely have to change a little bit because my my flats, uh, my strokes are too flat, and clay doesn't uh, let it go through the court enough, and uh, the opponents can use it. At the same time, uh, you cannot change what you do nine nine months a year uh, drastically. So you, I have to 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 be good to find a good balance where I still play my game. With a little uh, kick to it, or I don't know how to say, uh, like uh, changing just maybe some shots in the right moment, and that's how uh, I can be good, and that's how I was able to be good. Uh, the good moments, uh, the tough part, yeah, sometimes it doesn't work, and that makes me really angry because, uh, yeah, on hard courts, even if kind of I lose, uh, I know what's. What, what's wrong, you know, in, in a way, in the point? Like, I know, okay, that shot was not good enough or something. On clay, sometimes I feel like I do the right thing and I'm getting destroyed and I don't like it. <sighs> Any more questions in English? Yeah. Last one? Um, it's a bit of an off tennis, well, it's a tennis question, but um, the statistics in tennis that, you know, after a match, do you go through them? Do you look at them closely? And in particular, Unforced errors, which is a strange statistic, because you know everyone makes mistakes all the time. Yeah, unfor unforced errors. The thing is that also the person who types them can be different. I guess someone can uh, because they decide what's an unforced error. And sometimes, in my opinion, for example, if uh, like let's say your Wells, or I mean, when two players uh, that are really strong from baseline, sometimes you have these rallies, long rallies. And then you get an easy shot, but after 20 shots where your legs are burning and you miss it, and in my opinion, that's not an unforced error anymore. So, uh, but I like to go just a little bit. You know, after every match I play, uh, less after when I lose because I don't want to see tennis, but uh, especially when I win, I just go on ATP uh, app. Uh, you put stats. So there are actually no winners or unforced, but like I, I watch, okay, first serve. I made that match point, so that was good, or that was not good enough. Uh, yeah, I, li I like statistics in general. Do you think it'd be better if unforced errors didn't really exist? It was just maybe error or you know, winners and mistakes. Or anything? Mm, anything I'm thinking. Yeah, I think I think it should exist. The only thing, as I say, it's someone who decides. And uh, you never know if this person is strict or not because after some matches I can get asked question, "Wow, you made only five on four I'm like, "Great!" And maybe the other person would put 15 somewhere there. So yeah, that's uh, the only thing. But I think no, I think that statistics is great because there are actually unforced and forced errors. There is nothing and winners. So I don't see any more uh, uh, things to add, and I think yeah, it should stay the, the same. Bonjour, Nadine. Bonjour. Fabrice enfin, Aldral de Radio France. Euh, après cette première partie de, de saison exceptionnelle avec tes quatre titres, etc., tu abordes donc maintenant la, la terre battue. Ce sera sûrement un petit peu plus compliqué. Comment tu abordes justement cette saison sur terre battue Est-ce que tu te sens mieux en mieux sur cette surface Je ne sais pas encore. Que, bah, le truc avec Miami, c'est que le mieux tu le joues, le moins de temps tu as pour le préparer. J'ai revenu en France, il y avait voile annulée, tout ça. J'ai revenu que mercredi. Donc, premier entrant vendredi, là, j'avais fait deux jours et demi encore. Donc, je ne sais pas encore où je suis, bien sûr. Deux, deux jours et demi, là, je ne suis pas facile de changer les surfaces comme ça. Je n'ai pas joué depuis un an. Et même il y a un an, je n'ai pas joué si, si beaucoup sur Terre que ça. Donc, là, c'est pas facile, mais j'ai encore le temps avant le, mon premier match. Et j'ai envie de dire, je vais être capable de le dire qu'après ce tournoi de Monte Carlo, ou est-ce que je me sens mal là sur Terre, ou est-ce que je me sens pas mal euh, Ouais, donc là, je suis pas encore capable de le dire. Mais est-ce que maintenant la Terre battue, c'est une surface que tu apprécies Parce qu'il n'y a pas si <laughs> longtemps, tu disais que c'était sale, qu'on s'amusait des chaussettes. Que ah, ça, j'aime pas toujours. Battue, ouais. que euh... que sur Terre battue, tu étais top 1000. Enfin bon, tu, tu as dit tout ça. Ouais. Comment, comment, comment... La terre battue, tu, comment tu l'as euh, Je pense qu'effectivement, quand j'ai parlé de tout ça, j'ai un peu exagéré ou beaucoup exagéré. Après, le truc, c'est que ça, c'est sûr. Euh, euh, Est-ce qu'il y a des joueurs qui aiment euh, vraiment être bah, sale après la terre battue Je ne sais pas, moi, je n'aime pas. pas. Je préfère être propre. Quoi. Je ne peux pas le mentir. Euh, donc, euh, j'aime pas que les chaussettes, tu peux les jeter parce que tu, tu les laves et il euh, y a de terre toujours dedans. Euh, et sinon, euh, il y avait un autre truc que je voulais dire. Euh, oui, que, que j'aime mieux les le surfaces dures. Ah oui, euh, qu'aujourd'hui, on a entraîné avec euh, Olga Run. Et il y avait un jeu où il a fait. Euh, 4 services plutôt juste corrects. Et avec 4 rebonds, j'ai raté 4 fois et je ne sais pas pour, pourquoi il y a des rebonds Je trouve ça pas normal. Il y a terrain de tennis, pourquoi il y a des rebonds Et bons, mais ouais, il y a certains qui aiment bien ça. Moi, je n'aime pas ça, donc je préfère dur. Après, je sais que c'est très normal qu'on ait terre sur le circuit. et Je comprends que ça doit être diversifié comme c'est en ce moment-là sur la TP Tour. Et je trouve ça très honnête et très bien. Il faut que je à faire mon mieux et mon max. Tes ambitions sont limitées quand tu arrives sur terre battue. Tu as moins d'objectifs, de victoire, de titres. C'est possible. Euh, en même temps, je veux gagner chaque match que je joue. Mais je sais qu'il y a d'autres joueurs qui peut-être peuvent être mieux sur ce surface. Je, je un toujours le, euh, le match. Euh, c'était vraiment. Je me sentais mon, magnifique euh, sur ce tournoi-là, Roland Garros. Euh, donc, c'était 2021, euh, si je ne me trompe pas. Quand je fais quart contre Stéphanoz, je sentais vraiment vraiment bien euh, ces, ces deux semaines-là. Et contre lui, c'était dur. Euh, pourtant, c'était un match très accroché, mais c'était dur. Euh, où, bah, sur terre, il lift, il est bien, c'est son surface préférée. Euh, donc, je sens que, ouais, c'est beaucoup plus dur pour moi que sur dur de vraiment euh, euh, faire tout mon potentiel. Mais pourtant, je sais que je suis capable de jouer bien quand même. Euh, il y avait une fois à Monte-Carlo où je batte Tsitsipas Djokovic au même tournoi. Donc, je suis capable de la faire bien. Et c'est ce qu'il faut essayer de faire. Et ouais, peut-être avoir un titre sur Terre battue, qui sait Avec le recul, est-ce que tu, tu, tu vois une raison précise pour laquelle tu as tellement bien réussi cette première moitié de saison. Est-ce que c'est la confiance qui vient petit à petit À un moment donné, il y a une sorte de, de vague de confiance sur laquelle tu sors Ou est-ce qu'il y a autre, aussi d'autres raisons Non, je ne vois pas d'autres raisons. Effectivement, il y avait un moment, surtout après Rotterdam, où bah, à partir surtout de quart de finale, je suis un contre match de Félix. Je commençais à, à jouer vraiment bien et retrouver mon niveau que j'aime. Euh, et j'ai vraiment réussi, là on peut le dire, j'ai réussi à garder ce niveau presque non-stop. Pour tous les cinq tournois et bien sûr un petit peu moins bien ou, ou au contraire euh, mieux euh, je vois pas des raisons précises pourquoi bah, avant c'était pas le cas et là c'était le cas mais euh, j'entraîne toujours euh, toujours dur même euh, l'année dernière euh, j'avais beaucoup plus de temps avec euh, euh, soit les blessures euh, soit j'avais beaucoup plus de temps de m'entraîner donc je pense que c'est ça qui m'a permis aussi euh, de garder ce niveau physique et tennis pendant tous ces tournois-là. Euh, donc, euh, ouais, je, je pense que c'est leur travail qui a payé en ce moment-là, ensemble avec peut-être quelque chose dans mon énergie, dans la vie qui était mieux. Euh, ouais, je n'ai pas des raisons précises, je devine là. Mais Dani, Elisabeth Musier-RTS, qu'est-ce que ça fait? Euh D'aborder ce tournoi sans Rafael Nadal, est-ce que ça change quelque chose <laughs> bah, Pour moi, non. Euh, je pense que pour euh, des mecs comme Novak, euh, tu passes peut-être oui, parce que eux, sur Terre battue, effectivement, avant le tournoi, ils le voient tout de suite, bah, comme moi, j'essaie de faire sur Dur. Tout de suite, tu, tu te vois en finale euh, et tu sais qu'il faut prendre match par match, mais tu, si je fais en finale, il bah, y a une opportunité de jouer contre Novak. Bah, sur, sur Terre, tu sais que. Euh, bah, ou tu as Rafa, ça veut dire un quart, en demi en finale. Et il y a grosse possibilité que ça soit lui là et, et pas un autre. Euh, donc, mais pour moi, euh, sur Terre, vraiment, match par match, donc euh, vraiment, je, 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 je m'en fous s'il y en a là ou pas. Après, euh, je trouve que ça pourrait être pas mal de, de le jouer une fois quand même sur Terre, si, si j'arrive à être loin de là, le tournoi. Merci, merci, merci à tout le monde. Je reste ici. On est...